Ici. Contingent printemps 2015. Pour la grève sociale. Squad d'intervention avec leur carré rouge sur le dos. Peut-être qu'il ne se passe là. Les autres sont à pied à chaque. Livre Nigo. Oui. Les syndicalistes qui revendiquent leur pension qui était volée par la ville de Montréal. Alors, ici en masse, toute la rue Sainte-Catherine sera remplie. Une après l'autre. Le gouvernement en place, majoritaire du Parti libéral, libérons-nous des libéraux, ne va pas faire attention. Il n'y a pas d'élection. Même pas besoin pour eux pour répondre à cette mobilisation de masse. Alors, c'est quoi la stratégie? Au printemps, il y a une grève sociale qui s'est en train de se former. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. En Grèce, ils ont eu déjà 29 grèves générales et l'austérité continue sous pression de l'Union européenne. Ici, on a sous pression de l'États-Unis. Le Canada est une colonie. Dépendance économique des États-Unis.
sable bitumineux contrôlé par les corporations transnationales. Vous voulez faire pousser le sable produit ici parmi le Québec vers les oléoducs, des bateaux et des trains pour exporter vers l'Europe. Rien à faire avec ici, et rien à faire avec la planète. Alors, s'il y a une grève générale qui ne réussit pas à faire accomplir les revendications économiques ici présent, ici maintenant, c'est quoi la stratégie? Stratégie? C'est cette société civile ici, présente dans cette manifestation, tous les syndicats, toutes les associations étudiantes sont réunis. Il y a une alliance étudiante travailleuses. Alors, avec ça, on est en train de faire la fondation d'une assemblée constituante contre l'Assemblée nationale du Parti libéral. Une assemblée constituante pour déclarer l'indépendance de la société civile ici au Québec contre le gouvernement. Contre le gouvernement. Une assemblée constituante qui voudrait commencer à faire la rédaction d'une constitution sociale, pas une constitution étatique. Alors, une constitution sociale va intégrer les droits économiques des travailleurs et travailleuses ici au Québec. Pas d'austérité. Comment faire? L'Assemblée constituante déclare ses exigences contre le gouvernement. On ferait-tu 50 000 et plus, oui? Ça semble être, oui, je pensais que ce sera 25 000, mais c'est beaucoup plus que ça, oui. Parce que c'est rempli en toutes directions, c'est rempli. Alors, avec des revendications intégrées dans une constitution, avec des revendications économiques, on déclare un ultimatum à l'Assemblée nationale du Parti libéral pour accéder à ces exigences déclarées par la société civile indépendante. Sinon, c'est suivre une grève sociale pour faire arrêter l'économie et pour faire arrêter le gouvernement. Après ça, c'est l'Assemblée constituante qui prend charge. Si l'Assemblée nationale n'accepte pas ces revendications, et probablement, il va essayer de faire quelques concessions, mais ce n'era pas suffisant. C'est trop tard. L'Assemblée constituante s'en vient. Régime de retrait, projet de loi 3, qui mène au Québec. Mais est-ce que vous comptez l'immigrer? Ça, c'est un camarade photographe, ancien avocat. Alors, tout le monde sont ici. Ah oui, on fait ça là. Comme dans la grève générale. Québécoise.